À Hong Kong, des manifestants se sont rassemblés à Chen Shui Plaza samedi et s'en sont pris à des touristes de l'arrière-pays. Les médias locaux ont indiqué que les manifestants avaient attaqué physiquement les touristes et donné des coups de pied dans leurs bagages. Au moins un homme a été blessé. Un groupe de manifestants vêtus de noir s'est réuni sur une passerelle pour attaquer ce qu'il appelle des commerçants parallèles. Ces gens qui achètent des produits détaxés à Hong Kong et les revendent pour faire du profit à l'intérieur du pays. Deux hommes ont été attaqués par plusieurs manifestants. L'un d'eux a subi une blessure à la poitrine. Les produits achetés par les touristes ont été jetés au sol. Une touriste a dû ramasser ses produits un par un. Un manifestant a aussi essayé de voler la valise d'une femme. Plus tard, la police est arrivée et a réussi à maîtriser la situation.